Durant la première semaine, une intervention d'Emmanuel Geoffriot vous a permis de découvrir plusieurs modes de classement possibles, plusieurs typologies, des emplois et activités que l'on observe dans le domaine de l'agriculture urbaine. Bien sûr, le degré de professionnalisation et la stratégie économique sont déterminants. L'entreprise peut opter pour la maximisation de l'efficacité des coûts de production ou pour une valeur ajoutée importante, ajoutée au produit par des labels ou de la transformation. Elle peut aussi opter pour une diversification des activités pour améliorer son revenu. Des modèles plus spécifiquement appropriés à l'agriculture urbaine ont également été cités, comme l'économie circulaire ou la création de liens sociaux. Nous vous proposons cette semaine trois focus centrés plus spécialement sur la dimension sociale du travail et des activités en agriculture urbaine. Un premier focus portera sur l'agriculture urbaine professionnelle à vocation marchande. Un second focus portera sur l'agriculture urbaine non professionnelle à vocation d'autoconsommation. Enfin, nous nous intéresserons dans un troisième focus aux emplois d'insertion. Même si ces modèles sont très différents, on peut explorer le même genre de questions à leur sujet. Quel est le panorama concret des situations que l'on observe sur le terrain dans chacun de ces trois cas? Quelles sont leurs logiques économiques? Comment les personnes engagées dans ces emplois ou ces activités se sentent-elles socialement? Pourquoi font-elles ces choix? Comment organisent-elles leur temps, leur activité, leurs priorités? Quelles sont les différences, mais aussi les complémentarités de ces situations? Comment finissent-elles par modeler le profil de l'agriculture urbaine d'une ville? Sur l'agriculture professionnelle, vous allez pouvoir lire un article proposé par Anne-Cécile Daniel, qui anime l'AFOP, Association française d'agriculture urbaine professionnelle. Ce document dressera un panorama du projet porté par cette association. Sur l'agriculture non professionnelle, essentiellement le jardinage privé ou collectif, Ségolène Darly, sociologue, vous proposera des réflexions sur le rôle social et économique de ces formes de production et sur leurs spécificités. Enfin, deux exemples viendront illustrer les situations de travail en insertion autour de l'agriculture urbaine. Stéphane Berdoulet de Halage et Flore Anaïs Brunet de Cité Jardin.